Et salut à tous, c'est le Farming du 59. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2019 pour la suite de notre petite série La Ferme des Anciens, toujours sur la map La Campagne Profonde. Voilà, donc aujourd'hui une petite activité qui je pense va vous plaire les gars. Voilà, une activité inédite sur ma chaîne, il me semble que j'en ai pas encore faite. Donc voilà, ce sera l'occasion de tester aujourd'hui, puisque les amis, on va attaquer la récolte du coton. Voilà, avec des petits modes bien sympathiques, comme d'habitude. Mais avant, sans plus tarder, je vais vous laisser donc sur quelques petits plans et on se retrouve juste après l'intro. Ok, du coup les gars, on se retrouve. D'ailleurs, j'espère que ces petits plans vous auront plu les gars. Donc avant d'attaquer directement le champ de coton, je vais un petit peu vous présenter bien sûr le matos. Voilà, donc on va attaquer tout de suite par la machine. Alors je vais juste me remettre comme il faut. Voilà, tac. Je vais remettre la TH. Voilà. Donc, c'est bien sûr une récolteuse de coton. John Deere, une 99, pardon, .70. Voilà. Donc, c'est la plus ancienne que j'ai pu trouver sur les sites de mode. Il y en avait d'autres, mais elle ne fonctionnait pas en fait. Elle ne marchait pas. Je ne voulais pas récolter, donc voilà. C'est la plus vieille, on va dire, machine fonctionnelle que j'ai pu trouver. Donc voilà, du coup je l'ai pris. Et aussi, oui, je voulais vous montrer, j'ai acheté donc un nouveau tracteur, les amis. Voilà, pour remplacer, souvenez-vous, le petit Zetor, voilà, qui était pas, on va dire, qui était pas terrible. Donc voilà. Voilà le petit Ford donc 4000 qui est vraiment juste super bien modélisé les gars, voilà. De toute façon, il me semble que j'avais fait un plan pendant l'intro sur ce tracteur là. Voilà, donc petit Ford 4000 qui fait 60 chevaux celui-là. Voilà, et puis j'ai acheté aussi un petit broyeur portatif derrière. Voilà, il nous servira peut-être lors du dernier épisode ou avant, je sais pas encore trop ce que je vais faire avec, mais bon, on verra bien les amis. Voilà, donc franchement j'ai hâte de le tester, ce petit tracteur là, sûrement dans la prochaine vidéo les gars. Mais voilà, bon, du coup, sans plus tarder, hop, je vais monter dans la machine. Voilà. Alors, l'extérieur est vraiment bien. Il n'y a rien à dire. Je vais juste vous montrer l'intérieur. Il est pas vrai, il est franchement pas terrible. Mais voilà. Ça reste un mode. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà. Je vous montre l'intérieur, les gars. Voilà. Hein. Vous pouvez voir que c'est pas terrible. Voilà. C'est une version qui a bêta, il me semble. En tout cas, c'est une version qui est pas finale, ça c'est sûr.
Donc voilà. Donc je vais éviter de jouer en vue intérieure. Du coup, tout simplement. Et puis pour prendre les balles de coton, donc j'ai pris donc le petit Fiat 140, 170, pardon. Les amis, celui-là il est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, on l'utilisera en fin de vidéo, les gars. Voilà. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la machine en route. Voilà. Tac, je vais mettre. On va baisser la barre de coupe. Hop, et c'est parti. Alors je vais désactiver la TH. Ah oui, c'est vrai, faut que je descende. Tac, voilà. Hop, et c'est parti. Il me semble que ça le fait là. Ouais, c'est parti les gars. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été j'ai comment dire les retours pardon. Je cherche un petit peu mes mots les gars. Mais les retours sur la précédente vidéo ont vraiment été très très positifs. Donc voilà, ça fait super plaisir les gars. Hop. Alors juste me mettre comme il faut. Ouais, histoire que vous voyez quand même un petit peu ce que je fais. Hop, voilà. Donc c'est vrai que oui, hein, les retours sur les premières vidéos ont vraiment été à la hauteur de ce que je pouvais espérer, les gars. Donc voilà, ça fait super plaisir. Le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, donc ça fait vraiment plaisir aussi. Voilà. Je vous oblige pas, hein, mais surtout, n'hésitez pas, hein, à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucun événement, aucune vidéo, les gars. Voilà. On va bientôt dépasser la barre des 100 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, je ferai sûrement une petite vidéo spéciale avec mon ami AgriFarming59. Qui lui depuis un peu plus d'une semaine a dépassé cette barre justement. Et donc voilà, donc ce sera très probablement d'ici une ou deux semaines que la vidéo sortira. Voilà, donc j'ai toujours pas d'idée par rapport au tournage de cette vidéo, mais bon, ça presse pas, on va dire. J'aurai tout le temps encore de réfléchir à ça plus tard. Voilà. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur ces deux séries-là, hein. Donc sur la série qui est en cours, donc la ferme des anciens. Et puis en parallèle, hein, avec l'autre série, pardon, les exploitations françaises, donc qui se déroulent sur la map Les Vallons de l'Ain. Voilà, donc c'est vraiment une série qui vous plaît particulièrement également, les amis. Donc voilà, c'est vrai que ça fait énormément plaisir de voir que, bah, ce que je vous propose vous satisfait. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Hop. En tout cas, au nombre de vues, ça a vraiment bien augmenté. Donc ça fait super plaisir, hein, tout simplement. Hop. J'espère que ça évoluera de la sorte au fur et à mesure des vidéos, les gars. Voilà. Alors, juste regarder, je suis qu'à 10%. Bon, c'est vrai que le coton, c'est pas ce qui rapporte le plus en termes de rendement, je veux dire. Après, en termes de gains de récolte, ça a rien à voir. C'est vraiment une culture qui rapporte beaucoup, les gars. Mais bon, aujourd'hui je fais ça, c'est pas pour ça, c'est plus pour tester, parce que c'est vrai que j'ai jamais testé le coton sur FS19, et c'est vrai que ça a l'air plutôt d'être pas mal. Voilà, d'autant plus qu'on a vraiment le matos pour faire du bon boulot, on va dire. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a pas trop intéressé tout de suite de faire cette activité là, mais bon, je me suis dit
J'en ai jamais fait sur ma chaîne, ce serait l'occasion peut-être sur cette série-là de vous proposer cette activité. Voilà, d'autant plus qu'il y a, il y a d'assez vieilles machines, en l'occurrence celle-ci hein, que j'utilise, qui sont sorties sur les sites de mode. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous proposer ce type de travail en vidéo, tout simplement. Hop. Parce que bon, je me voyais pas non plus prendre la grosse machine de base du jeu pour faire cette vidéo. Voilà. En tout cas, cette machine-là me convient très bien. Hein, pour un seul épisode, j'avais pas besoin d'un mode exceptionnel, on va dire. Voilà. Hop. Alors, je vais me mettre comme il faut. Et normalement, donc, dès le prochain épisode, on va vraiment attaquer des cultures qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur Farming. Voilà, donc on va récolter des carottes, du chou, des laitues, puis d'autres types de céréales que je n'ai toujours pas testées. Voilà, c'est vrai que c'est assez intriguant, donc franchement, j'ai hâte de tester avec vous, les gars. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais ces nouvelles cultures disponibles sur ces maps-là, ça donne un vrai plus au jeu. Et franchement, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Hop. Alors, j'espère que j'arriverai quand même à faire une botte de coton. Sinon, je ferai une ellipse dans la vidéo. Hein. Hop. Je ferai une petite ellipse. Et puis voilà, hein, les amis. Hop. Parce que j'ai semé deux champs en coton, mais ce sera peut-être pas assez. Malheureusement. En tout cas, j'aimerais bien avoir ma petite balle de coton, les gars. À la fin de la vidéo, et bon, on verra bien. Hop. Après, ce champ-là a été fertilisé qu'une seule fois, donc ça peut-être expliquer le rendement qui est faible par rapport au reste des champs. Voilà, donc il me reste encore une petite partie à faire, une bonne partie à faire, pardon. Donc je pense que ça va le faire. Enfin, j'espère. Hop. Tac. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, les amis. Alors, c'est vrai qu'en termes de mode, on n'est pas au top niveau. Ça, je vous l'assure. Mais voilà, c'est vrai que pour faire ce type d'activité-là, il faut pas non plus un mode exceptionnel. Moi, en tout cas, ça me suffit et je pense que pas mal de gens comprendront ça. Hop. Alors, je sais pas du tout s'il y a l'animation sur la machine de base du jeu. En tout cas, là, on voit pas l'animation de la récolte. Lorsque la machine passe. Après, je sais pas si ça le fait sur la machine de base. En tout cas, sur celle-ci, ça ne fonctionne pas. Hop. Tac, voilà. Après, c'est vrai que ça fait pas non plus vraiment réaliste de récolter du coton sur cette map-là. Mais bon. Mais bon, c'est pas encore trop grave. Hop. On est là justement pour tester. Et puis pour donner un petit peu notre avis. Et franchement, c'est une culture que je vais sûrement refaire sur ma chaîne. Puisque je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Le seul souci, c'est que voilà, il faut vraiment attendre longtemps pour que la machine se remplisse. Et c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Mais bon.
C'est pas dramatique non plus. Hop. Alors le second chant, je vous ferai bien sûr un accéléré. Parce que je vais pas passer 40 minutes ou 1 heure de vidéo à récolter le coton. Mais voilà. En tout cas, franchement, une activité qui semble être pas mal. Hop. Ah, c'est vrai que ça peut paraître bizarre que j'ai jamais testé, mais ça, je vous garantis que ça m'a pas trop intéressé au départ. Donc voilà, c'est vrai que j'ai jamais testé et je suis plutôt surpris. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Et je voulais vous parler également d'autres choses qui concernent donc la team. Donc pour ma part et pour Agri Farming 59, on va commencer à modifier un petit peu notre team. Voilà, c'est vrai qu'on avait recruté des personnes, mais qui ne se sont pas impliquées, on va dire, dans cet esprit-là que moi-même et Alexis voulions faire des vidéos justement. Voilà, on voulait faire des vidéos avec les personnes concernées justement. Et voilà, donc c'est vrai que ça fait vraiment longtemps qu'on en parle, qu'on en discute. Et là, on a décidé de se lancer, donc on a envoyé pas mal de messages sur les différents groupes, notamment sur Facebook. Voilà, on cherche activement des membres, des personnes qui seraient impliquées dans notre projet, voilà, qui seraient intéressées de tourner avec nous des vidéos. Voilà, tout simplement parce que bon, tourner des vidéos à deux, à force, c'est vrai que ça devient un petit peu lassant. Voilà, on peut pas faire des activités vraiment qu'on devrait faire en multijoueur. Je pense notamment aux moissons, à l'ensilage de maïs. C'est vrai que de le faire à deux, c'est pas terrible. Voilà, puis je pense que ça donnerait une autre dimension à la chaîne que de pouvoir vous proposer plus de multijoueurs justement. Et en tout cas, bah, j'espère que certaines personnes se montreront intéressées par notre annonce, tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, ou pour ceux qui tomberont sur cette vidéo plus tard, et bah, surtout n'hésitez pas. Surtout si vous montrez intéressé, n'hésitez pas à vous manifester sur les différents groupes de Facebook. Voilà, donc je vous mettrai peut-être dans la description le message qu'Agri Farming 59 a posté sur ma page Facebook. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter les amis. Ce sera Agri Farming 59 qu'il faudra contacter. Lui de son côté, dans sa vidéo, il vous expliquera un petit peu plus en détail. Le but un petit peu de cette annonce, voilà, et les attentes pour rejoindre notre team, voilà, un petit peu les conditions, on va dire. Voilà, donc je vous invite à aller regarder sa chaîne. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à sa chaîne, hein, il fait vraiment des belles vidéos. Donc voilà, il expliquera un petit peu mieux. Et surtout à sa manière, voilà ce qu'il attend de la team, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un nouveau projet qui m'intéresse, qui me tient particulièrement à cœur.
Parce que voilà, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que qu'on cherche des personnes, mais voilà, on s'était pas encore vraiment posé la question de vraiment se montrer impliqué par rapport à ça. Et c'est vrai que là en ce moment, bon, avec cette période un petit peu particulière de confinement, on va dire qu'on a plus le temps à penser à ces choses-là, les amis. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que le rythme des vidéos va s'intensifier. Voilà. Tout simplement. Hop. Je pense sûrement qu'il y aura deux voire trois vidéos par semaine qui sortiront sur ma chaîne. Histoire quand même de voilà de vous proposer le maximum de contenu. Voilà, histoire aussi de diversifier un petit peu les activités que je vais vous proposer par la suite. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira, hein. Surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer des petits messages en commentaire. Voilà, dites-moi aussi un petit peu ce que vous en pensez des différentes activités que je vous propose. Et puis, si il y a quelques petits conseils que vous pourrez me donner, surtout n'hésitez pas non plus, hein. Hop. Alors, je vais juste regarder. Ah ouais, j'ai que 30%, hein, c'est pas terrible, hein. Ah ouais. C'est pas terrible. Tac. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que l'autre parcelle, y aura plus de rendement. Tac. Alors, je vais sortir par là. Je vais le mettre sûrement de ce côté. Ouais. Tac. Ouais, je fais pas attention. Ah ouais, elle tourne vraiment vite, hein. Un sacré angle de braquage. Tac. Ah, j'ai remarqué aussi que le volant ne tourne pas. Il reste statique. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire le tour du champ et puis je vais vous laisser sur un petit accéléré, les gars. Hop. Voilà. Alors, je vais rentrer ici. Ouais, je vais rentrer ici. Tac. Voilà. Je vais mettre la machine en route. Alors. Hop. Voilà. Là, normalement, ça ira mieux. Ouais. Ah ouais, ça monte vraiment pas vite niveau rendement. À peine 30%. Hop. Ah, j'ai pas fait gaffe non plus, il faut peut-être que j'augmente. Je vais augmenter la vitesse un petit peu. Alors, peut-être pas non plus aussi vite. Ouais, 10 km/h, c'est pas mal. 10 km/h, c'est pas mal. Tac. Ah, il faut pas que je fasse des oublis, parce que sinon, déjà que le rendement est vraiment faible,
Si je commence à faire des oublis, ça va pas le faire. Hop. Ah. J'aurais peut-être dû planter un autre champ aussi de coton. Parce que je serais bien embêté si, si la trémie, bah, si elle n'est pas pleine à la fin de, à la fin du champ. Hop. Et bon, on va faire comme ça hein, si ça marche pas. Voilà. Hop, donc je vais finir le tour du champ. Voilà, on a presque fini là. Hop. Et donc, bah, du coup, les gars, bon, avant, je vais juste regarder le rendement, ce que ça donne. Ah oui, c'est vrai que pour un tour, j'ai quasiment fait la. Autant j'ai quasiment eu autant de rendement que si j'avais fait la moitié de l'autre champ. Donc c'est plutôt pas mal. Donc bah du coup les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser donc sur quelques petits plans. Voilà, sur un petit accéléré. Et on se retrouve juste après. Ce petit accéléré, alors j'en ai profité pour avancer dans la parcelle et le rendement est toujours aussi faible. Comme vous pouvez voir hein, en bas, on voit à l'écran, je suis rempli qu'à 66% et donc ça veut dire que je serai pas plein à la fin du champ. Et donc du coup bah, je vais devoir faire une petite ellipse. Mince, hop, j'ai oublié d'activer la machine. Donc du coup je vais faire une ellipse, je vous ai dit donc tout simplement bah, pour aller ressemer un autre champ et le récolter. Et puis on se retrouvera bah, juste après. Voilà, donc ça risque de prendre du temps. Donc je sais pas, je verrai bien. Je pense que je ferai ça quand même, histoire qu'on aille livrer quand même un petit galop de coton au niveau de l'usine de coton justement. Voilà. Au niveau du point de vente. Hop. Enfin, je pensais que deux champs ça suffirait, mais.
Mais c'est, on est loin du compte. On est loin du compte. Hop. Tac. Je regarde toujours, mais on est à 69 là. Hop. Ah, franchement, il y a vraiment presque pas de rendement au niveau du coton. Je m'attendais pas forcément à ça. Je savais que ça, y avait beaucoup moins de rendement que le reste des cultures, mais franchement, à ce niveau-là, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais sûrement pas à ça. Hop. Alors. Tac. Voilà. Je vais descendre pour mettre la TH. Hop. Alors, on est à 70%. On est à 70%, les amis. Et on a fait deux champs. Donc, c'est quand même. C'est quand même assez exceptionnel. Hop. Alors, je vais tout simplement revenir au champ où on a commencé à travailler. Hop. Voilà. J'espère que ça va passer. Bon, sûrement. Tac. Alors, ça passe, c'est pareil. Ok, donc, du coup, ce que je vais faire, donc, je vais être obligé, je vais vous faire donc une petite ellipse, les amis. Juste revenir au champ. Hop, voilà. Tourner ici. Tac. Et donc voilà. Hop. Alors, du coup, ce que je vais vous faire donc, je vais vous faire une petite coupure, voilà, une petite ellipse. Et on se retrouve donc pour la fin de la vidéo une fois que la machine sera remplie totalement. Allez, à tout de Ok, du suite. coup les gars, on se retrouve donc juste après la petite ellipse. Et malheureusement en fait j'ai pu constater donc que la machine, la récolteuse donc de coton est buggée en fait parce qu'on peut pas vider. J'ai essayé d'abord donc avec au niveau de l'armoire qui accepte les balles de coton, ça n'a pas voulu vider. Je suis revenu donc avec la benne Brimont au champ et j'ai essayé de vider dans cette benne et ça n'a pas marché non plus. Et en effet, cette machine-là est buggée. Voilà, j'ai demandé à quelques personnes en hors vidéo si, bah, si ça fonctionnait bien. Ils m'ont tout dit que ça marchait pas tout simplement. Donc voilà, donc je suis quand même un petit peu déçu les gars. C'est vrai que voilà, j'aurais vraiment aimé que ça marche, que ça fonctionne. Voilà, que je puisse vous proposer bien sûr une vidéo de qualité. Bon, c'est vrai, c'est un petit peu de ma faute. J'aurais dû plus regarder ben, tout simplement à la fiabilité du mode. Donc voilà, je m'en excuse les gars. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même chiant quoi. Je vois pas l'intérêt de poster un mode qui est pas fini, qui est pas fonctionnel. Voilà, j'ai pas fait gaffe. J'aurais dû utiliser la machine du début. Et voilà, j'ai voulu utiliser une machine qui était plus ancienne, qui était plus en raccord, on va dire, avec la série que la ferme des anciens, tout simplement. Et donc du coup voilà, j'ai pas fait attention et ça m'apprendra on va dire à pas regarder au mode et à leur fonctionnalité, voilà. Donc bah, du coup c'est un épisode on va dire qui sert pas à grand chose si ce n'est que bah, qu'on ait récolté deux champs, mais voilà, la récolte est perdue on va dire. Du coup voilà.
Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le Fiat et la Benne au concessionnaire. Donc voilà, j'ai ramené la machine au concessionnaire. Bon, excusez-moi si le Fiat fait quand même pas mal de bruit. Voilà, je pense qu'on va l'entendre dans. Je pense qu'on va l'entendre dans la vidéo. Enfin, il a un beau bruit, mais il est vraiment fort. En tout cas, j'espère que c'est pas trop fort pour vous, les gars. Je pense que c'est bon. Enfin, j'espère. Voilà, du coup, la machine est là. Et je me disais aussi que c'était bizarre, on voyait pas le coton monter dans la machine, justement, ça restait toujours le contenu de la machine restait toujours vide, la traînée, on va dire. Et ça me paraissait bizarre, et c'est bien pour ça, c'est parce que cette machine-là, en fait, elle est bloquée. J'aurais dû m'en apercevoir, mais j'ai pas fait gaffe. Et voilà. Hop. Bon, du coup, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais bon, en tout cas, on a quand même récolté, on va dire, notre champ, nos deux champs. Donc voilà, j'espère qu'au moins vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo-là. Même si, voilà, même si je ne peux pas vendre la récolte, vu que cette machine-là est buggée, tout simplement. Voilà, les amis. Donc, bah, mis à part cette petite mésaventure, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, les gars. Voilà, au programme de la prochaine vidéo, on attaquera certainement du semi. Donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire dans le prochain épisode, mais ce que je peux vous assurer, c'est sûr, ça, c'est qu'on fera du semi, d'une culture, d'une nouvelle culture, je pense. Voilà, histoire de changer un petit peu de l'ordinaire, les gars. Et puis voilà, tout simplement. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Voilà, j'espère aussi que la suite de cette série vous plaira également. Voilà, je pense qu'on va faire des activités qui vous plairont, qui seront assez intéressantes et inédites sur ma chaîne. Donc voilà, surtout non plus, n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi, voilà, pour que je sache un petit peu ce que vous en pensez de la série et de ce concept là. Et puis voilà. Donc bah du coup les amis, moi je vous dis à très bientôt et salut.